La veille, il demande à Yvan Cassard, qui est son directeur musical, « Écoute, Yvan, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est à la fin du spectacle, poser les musiciens, les faire reposer, et puis être tout seul sur scène. Juste avec mon micro, pas de musique, rien. Et j'aimerais bien chanter quelque chose a cappella au public. » La grande crainte, quand même, c'était la question, mais qu'est-ce que tu vas leur chanter? Et après avoir été bercé par beaucoup de chansons françaises, Lamaze, Navour, Péco, Brel, bien sûr, il y a des choses qui, il en avait marre, il y a des choses qu'il a retenues quand même. Il trouvait ça très joli, mais bon, il y avait à dose homéopathique. Et il y a une chanson sur laquelle il s'est arrêté, c'était une chanson de Brel, qu'il a chantée a cappella. Je voudrais vous la chanter ce soir, si vous permettez. C'est juste un cadeau pour vous et pour lui. Mais moi, je ne la chante pas a cappella. Hein. Il n'y a guère que lui qui était capable de faire ça. Voici, mesdames et messieurs, pour vous et pour lui, la quête. Personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal. Tenter sans force, sans armure. D'atteindre l'inaccessible étoile. Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ni ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Et les villes s'éclabousseraient de pluie, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écartelée.